Hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je partage avec vous une petite vidéo. Je partage avec vous quelques extraits de la journée d'anniversaire de ma fille. Cette année, elle voulait tellement qu'on célèbre son anniversaire. Malgré que nous étions sur budget, on s'est dit, on fait un petit truc pour lui faire plaisir en fait. Juste un petit truc en famille. Et elle était trop contente. La joie que les enfants ressentent n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Parfois, on se dit, on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on met ou le matériel qu'on met qui procure du plaisir. En fait, c'est le moment passé. C'est ce temps d'échange, ce temps de qualité, ce temps de convivialité qui est le plus important. Et c'est ça qui reste gravé dans la mémoire de l'enfant. Ça lui fait voir qu'on pense à elle, qu'on se soucie d'elle, que son bonheur est important pour nous. C'est dans cette optique-là que je vais vous partager ce petit instant de partage en famille, dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. N'hésitez pas à aller dérouler dans les vidéos pour voir tous les différents sujets que j'aborde concernant la vie de maman. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, alors abonnez-vous, likez les vidéos, regardez jusqu'à la fin, partagez autour de vous, car si ça vous a plu, ça peut plaire à quelqu'un à côté de vous. Abonnez-vous, je compte sur vous et surtout, likez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Pour cet anniversaire, on a pris le gâteau de 10 000. On n'a pas eu besoin de payer le taxi. Il y a une dame de l'autre côté de la route là qui fait des gâteaux. Et je lui ai dit, je veux le gâteau de 10 000. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas allée demander, montre-moi ton catalogue, ça c'est combien, ça c'est combien. Non. Je lui ai dit, j'ai 10 000 francs pour un gâteau. Est-ce que tu peux le faire? Elle a dit, oui, elle peut le faire. Donc, je lui ai demandé ça. On était peut-être à 10 heures. Et à 15 h, je suis allée récupérer. Je n'avais pas pris rendez-vous avant et tout. Je suis juste allée la voir. J'hésitais même. J'hésitais même. Je me disais comme les pâtissières sont chères. Pourtant, je n'avais jamais demandé. Elle a fait le gâteau. Vous allez voir. Un très beau gâteau. Et c'était super bon. C'était très bon. J'ai ma copine qui fait les gâteaux. Mais ce week-end, elle était à l'ouest. Du coup, elle ne pouvait pas faire le gâteau pour l'enfant. C'est sûr que je lui aurais donné les 10 000, qu'elle m'aurait fait un gâteau plus gros. Le repas qu'on a mangé, c'était le repas du jour. C'était le repas que j'avais planifié pour ce jour-là. Donc, c'était nos stress. Ma mère a juste fait des bouteilles de fleuret. La robe même qu'elle a portée, c'est une robe qui est dans sa garde-robe. La ballerine, c'est une ballerine qu'elle a. Donc, c'était juste un moment de partage et d'échange en famille qu'elle a beaucoup apprécié. Et ça a pris une tournure avec la danse et tout. Bref, c'était trop bien en fait. C'était trop bien. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai acheté la décoration de 5 000 francs. Une couronne, une écharpe, des ballons pour faire la petite déco murale, le chiffre 11 pour la déco murale et le chiffre 11 pour le gâteau. Je pense que c'était tout. J'ai investi seulement dans des choses qui devaient marquer le moment en fait. Ce n'était pas grande chose. J'ai pris 25 ballons. Je ne sais pas si c'était 25 ou 50. Bref, c'était le demi-paquet. Mais après avoir pompé, c'était tout petit. Je pensais que ça allait faire beaucoup en fait. Pendant que ma petite soeur était au salon en train de terminer la décoration, ma cousine, elle, à la cuisine en train de faire frire les nems et mon cousin en train de faire les crêpes. Les crêpes, on a utilisé la farine et bref, tous les ingrédients qu'on avait à la maison. Les nems, on a acheté. On est acheté à une amie, mais elle a quand même mis beaucoup plus que ce qu'on avait payé en fait. Ma
famille était là depuis le matin. Les seules personnes qui sont arrivées bien après, c'est mon père et mon petit frère. Nous étions ensemble à la maison depuis le matin pour que, en fait, ce ne soit pas juste quelques heures d'anniversaire, mais toute une journée de célébration. Donc là, dans le air fryer, il y a le poulet. Le poulet aussi, on a acheté un poulet de 5000 et c'était tellement petit. On l'a fait dans le air fryer rapidement. Les nems étaient en train de cuire, c'était très bon les nems. Elle a apporté les nems apprêtés, mais pas frits. On devait faire frire nous-mêmes. Ma cousine, comme les nems étaient en train de finir, elle a commencé à faire le gâteau. Ma cousine, si vous la connaissez déjà, c'est ma princesse. Elle est régulièrement à la maison avec moi. Maman est derrière en train de faire les légumes. Les légumes, c'est ma soeur qui a nettoyé, découpé, fait bouillir. Et maman est en train de faire frire pendant que ma soeur est à côté en train de nettoyer ce qui était sale, la vaisselle en fait. Maman, c'est de mon combat. Donc, surtout la partie du poulet là, ce que toi tu aimes, c'est la pâte. Surtout le poulet, ce que toi tu aimes, c'est la pâte. Oh oui. Si vous aimez trop, vous tuez le poulet, vous donnez la pâte. Seulement la pâte, voilà. Le reste, on te gère, on te cherche pas avec. Voilà. Voilà. Ce sont les légumes. C'est un peu spécial. Pour l'anniversaire de ma petite princesse, ma première petite fille. Il y a 11 ans. Ah oui, c'est une fierté pour moi. D'avoir une petite fille qui a 11 ans. Ah oui. Ton gâteau est où, ma fille? Elle est plus que moi. Pour cet anniversaire, on a beaucoup plus utilisé les choses qu'on avait à la maison. C'est vrai que ça devait me pénaliser un peu parce que je réduisais pas mal de provisions. Mais il fallait vraiment qu'on fasse ceci. Et elle était trop contente. Elle était contente. Et nous aussi d'ailleurs, la voix en joie nous a mis tous en joie. Donc ce qu'on a acheté là, c'était les nems. Le poulet, la décoration et le gâteau. L'espace de milieu qui est sur la table, là, c'est qu'on était en train d'attendre le gâteau parce que le gâteau, on a commandé non loin de la maison. Le repas qu'on a fait, c'était le repas que j'avais planifié pour cette journée-là. Les œufs, j'ai pris dans la veilleuse d'œufs que j'avais à la maison. Les beignets crevettes, je les avais à la maison. J'ai ajouté un paquet, je pense bien. Les pop-corn, on a acheté, oui, 2 paquets à 500. Et papa, en venant, est venu avec les biscuits et les jus pour les enfants. Sauf qu'ils ont vite bu les jus, on n'a même pas pu mettre ça sur la table. Et ce qu'on a mangé comme repas, c'était le couscous maïs avec les légumes. Un récapitulatif de tout ce qu'on avait sur la table, c'était les beignets crevettes, les pop-corn, le gâteau qu'on a fait nous-mêmes à la maison, les nems, les œufs bouillis, les crêpes, le poulet qui n'était pas grande chose et notre repas qui était couscous, maïs, légumes sautés. En plus de ça, le gâteau. Le gâteau, c'est la chose qui a pris le plus d'argent parce qu'on a acheté un gâteau de 10 000. Et les biscuits sur la table là, les fouleries que maman a fait,
et un vin blanc qu'on a acheté pour que papa boive. Donc, c'était vraiment, vraiment simple. Et on était tous contents d'offrir ce moment à Eliora. De la même manière que la naissance de Eliora a réuni toute la famille, c'est comme ça que quand il y a une fête ou quelque chose pour elle, ça réunit toute la famille. Même quand ce n'est que la remise des bulletins, ça réunit tout le monde, toujours comme ça. Donc là, je suis assise en train de manger avec mon papa, dont je suis la fille aînée. Et ma cousine princesse est venue donner le piment parce qu'elle venait de terminer de faire le piment à la cuisine. C'était un moment de famille que nous avons tous apprécié. Des occasions comme ça pour se retrouver sont des occasions vraiment à chérir. Et dans ma famille, on s'est chéri ces moments. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Bye bye. Thank you.